Philippe. Oh, le pasteur Philippe Léon. Ah, il est là? Bien, bien, pasteur Philippe. Il m'a dit qu'il était prêt à prêcher aujourd'hui. Je lui ai demandé sur quel sujet il allait prêcher. Il m'a dit qu'il allait prêcher sur la sanctification. Ah, il m'a dit qu'il pensait que c'était juste pour blaguer. Pourquoi ça pour blaguer? Alléluia. Bon, c'est bien toi, Philippe. Tu as quel âge? 10 ans. Donc, tu n'es pas prêt à prêcher aujourd'hui. Bon. Pas encore, mais ça va venir bientôt. Mais ton père, des fois, il prêche. Oui. Mais quand tu juste faire comme lui, est-ce qu'il est ici aujourd'hui? Oui. Et où tu peux. C'est il se cache. Ah, il est là. Maintenant, dis-moi. Tu aimes ton père? Enfin. Des fois. Des fois, il te tire les oreilles. Non? Donc, qu'est-ce qu'il fait pour? Comment il fait pour te punir? Il te parle seulement. Je t'écoute. Parfois. Et le fois que tu n'écoutes pas, il fait rien. Bon, il ne sait pas trop. Hein? Oui. Mais non, qu'est-ce qu'il fait de bon que tu aimes? Il s'appelle comment encore? Pardon? Boaz. Le frère Boaz. C'est le même que dans la Bible. Est-ce que ta maman s'appelle Ruth par hasard? Ok. Ok. Sœur. Elle s'appelle sœur? Ma sœur s'appelle Ruth. Ah! Ok, c'est ta sœur qui s'appelle Ruth. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui fait de bon, papa Boaz, que tu aimes vraiment? Donne-nous tous les secrets. À construire avec lui. Qu'est-ce que vous avez construit? Ah, vous avez reconstruit ton lit hier. Waouh! Donc, depuis tous ces temps, ton lit. Ah, il a détruit l'ancien lit pour faire le plancher. Il a fait le plancher, là, il fait le lit. Ben, bon, tu devais venir chez moi. Alléluia. Et maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'il fait que quand il fait, tu n'aimes pas devant chez toi? Ah, non. J'ai pas compris. C'est dur à choisir parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il fallait t'expliquer. Alléluia. Il y a des petits politiciens ici qui savent éviter les troubles. Tu es sage. Hein? Quand même. C'est un vrai politicien là. Il sait vraiment comment répondre. Je lui dis, tu es sage, je dis quand même. C'est pas oui, mais c'est pas non, mais c'est pas exagéré, oui. Ok? Pour que tu l'acceptes. Alléluia. Mais non. Tu vas m'aider à tirer le numéro, le premier numéro gagnant.
promets que tu ne tires pas ton père. Hein? Tu sais. C'est ce qu'il t'a dit de dire. Bon, tire votre mot. Bon. J'ai déjà dit avec toi, tu vois, hein? Ok? Je pense que
ce qui a là-bas là, alléluia. Félicitations. Et voilà, je vais avoir trois enveloppes de $20. Trois enveloppes de $20. Et je vais vous lire une autre chose. Ça c'est un enfant qui écrit à son père. Amen. Il écrit: je ne suis peut-être pas parfait, mais au moins je n'envoie pas ce message depuis la prison. Bonne fête de père, papa, tu as fait un bon travail. On va avoir trois enveloppes à tirer. On va tirer trois à un numéro. Donc, je vais demander à mon assistant de tirer trois numéros. Donc, on a un prix de $20 ou un choix sur la table. Alléluia. 412, les trois derniers chiffres, 412. Oh, les papa John en haut. Alléluia. Et l'autre numéro? 7, 9, 4, 6, 3, 4, 5, 5. 450, les trois derniers chiffres, 450. Yes. Donne-moi le troisième. 403. Alors, $20 ou... Non, pas ça. Ça, c'est tout le monde qui va avoir. Au moins ça ou... Alléluia. $20. Et félicitations, papy. $20 ou bien un truc là. Alléluia. Il me reste encore deux enveloppes de $20. Et mes autres tournevis sont partis. Alléluia. Alléluia. Et deux enveloppes de $20. Deux enveloppes de $20. On va tirer deux enveloppes de $20. Mais avant cela, on va faire quelque chose peut-être un peu de particulier aujourd'hui. Hein? Et quelque chose de particulier aujourd'hui. Je n'ai pas préparé ceci, mais c'est ce qui me vient à cœur. Amen. Est-ce que vous allez coopérer avec moi? Vous allez coopérer avec moi? Tout le monde va coopérer avec moi? Bon, alléluia. Bon, Tantine Gisèle. Ouais, je veux que tu viennes. Pourtant, elle a dit oui qu'elle allait coopérer avec moi. Ah, elle a dit non, justement. Ah, elle disait à la soeur Isabelle, je ne dis pas amen. Tu vois comment Dieu est profond. Hein? Il ne faut jamais dire non avec le Seigneur. Alléluia. Ah, ok. C'est bien ici. Ah bon. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que d'habitude, hein, on entend toujours les enfants. Il faut coopérer. Moi, si tu avais dit oui, Dieu allait m'envoyer ailleurs. Alléluia. Bon, comment ça va, tante? Jusqu'à là, ça va. Mais non, est-ce que tu as appelé papa? Je ne l'ai pas appelé, mais j'ai texté. On va texter. Alléluia. Tu aimes bien papa, mais... Oui. Mais non, là, j'ai l'opportunité. Le pasteur Yannick peut les chercher, les trouver là où il est. Est-ce que tu peux dire
à un mot à papa et ainsi qu'à tous les papas qui sont là. Quel embarrassement! Bonne fête! Déjà, bonne fête à toi! Je vais commencer par toi, tiens! Tu veux m'embarrasser? Je vais t'embarrasser! Non, je vais te souhaiter bonne fête des pères pour commencer. Parce que je sais. Oui, tu vas revenir. Que père, je pense que tout le monde peut se rallier un peu à moi en disant que je vois l'exemple que tu es et je sais pas, je trouve que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je le dis souvent à ma famille ou à d'autres personnes, mais je te le dis pas souvent. Non, je te le dis. Tu es quelqu'un d'extraordinaire et puis en tant que pasteur, je peux vraiment aujourd'hui t'honorer. Est-ce qu'on peut honorer notre pasteur? Maintenant, Papa Soumou, qui approche des 80, mon papa, et que j'aime énormément. Et ça a été un exemple formidable aussi dans ma vie. Je l'ai vu se convertir devant mes yeux, parce qu'il n'était pas converti. Mais j'ai pu le voir changer, devenir un homme extraordinaire de Dieu. Aller à l'école biblique, apprendre la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, écrire même des livres. Il est venu ici, je ne sais pas si quelqu'un certains s'en souvient. Mais il a écrit un livre sur l'unicité de Dieu. Et pour moi, je veux dire, c'est vraiment un don spécial. Donc je t'aime papa, je veux lui dire de regarder le service. Donc voilà. Mais bonne fête à tous les papas, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire aussi à tous. Ce qui reste sur la table.
pas le gros, pas le petit. Le petit, ça, tout le monde va avoir. Ça ne vaut pas la peine d'être tiré. Alléluia. Et le dernier numéro, enfin, le deuxième, personne ne veut ces 20 dollars. 456. 456. Il y avait quelqu'un qui avait mémorisé le numéro là-haut. Content de voir maman Fille en santé, de retour à l'église. Alléluia. Merci papy. J'ai une enveloppe de 20 dollars. Je vais te tenter avec ou les choses qui restent là. Ça c'est une boîte vide. Ça c'est pour que tu aies acheté des choses avec la vie. 20 dollars. Alléluia. Maintenant, il nous reste une enveloppe à 20 dollars. Et des cadeaux divers à tirer. Deux numéros.
Je pense que le cri, c'est sanguinaire. Le cri est sanguinaire. Vous aviez donné les directives. Non, c'est bon. Ok. Bon. Deuxième. 437, les trois dernières chiffres. Silence extrême. Ça, c'est le bruit silencieux de la satisfaction. $10 ou pas, et après la boîte vide. Bon, je sais que papa Richard est passionné de travaux de rénovation. Il a plusieurs vis à manger. Alléluia. Il y a une manigance qui s'est passée ici. Est-ce que c'est légal tout ça? J'ai encore une enveloppe à tirer, de $10, dernière enveloppe. Oh Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Thank you.
448, 448, numéro 448. C'est papa Léon? Aïe, 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 papy Léon. Papy Léon, c'est le grand pousseur. On voit l'assurance. Et il sait que c'est à lui. Il n'a pas crié, il n'a pas couru. On voit la sagesse et l'assurance. Bon, les outils sont partis. Alléluia. Maintenant, ah oui, pas de masque. Sans le masque, sans le masque. Maintenant, je voulais faire prendre un autre risque. D'habitude, on a toujours les enfants qui viennent. Et aujourd'hui, j'avais à cœur d'entendre un peu de grand sujet de leur père. Amen. Vous allez coopérer avec moi, oui? Vous allez coopérer avec moi, oui? Coopérer avec moi? Oui, oui. Là, ils savent plus s'ils disent oui ou ils disent non. Bon, j'ai à cœur d'appeler le frère Moria. Le frère Moria qui s'est caché même en bas de moi. Je ne peux plus te cacher. Viens, frère Moria. En masse. Tu es même gêné. Même. Et si tu viens me voir qu'il t'a causé des problèmes, c'est toi que je commence à interroger d'abord. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Vous voyez comment ça commence déjà? Il y a déjà la grâce. Là. Tu as appelé papa? Aïe, aïe, ne me laisse pas tomber. Tu vas l'appeler, hein? Ok, bon, c'est promis. On va l'appeler. Maintenant, pasteur Yannick peut localiser ton papa. Là, on te donne une opportunité de dire un mot. Parle-nous un peu de ton père. Et puis, souhaite-lui quelque chose. En même temps que tous ces papas qui sont ici, excepté moi. J'ai déjà eu ma dose. Je souhaite une bonne fête à tous les papas et que le Seigneur vous bénisse richement, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vous. J'aime beaucoup mon père, c'est un grand exemple pour moi. C'est un travailleur et c'est une personne qui m'encourage beaucoup et c'est ça. Papa, je t'aime. Un grand exemple pour moi. Et je t'apprécie énormément tout ce que tu fais. Et une autre chose, c'est que je veux ajouter, si je suis là où je suis, c'est grâce à mon père. Il s'est battu pour nous et il a toujours été là pour nous encourager. Sa vision pour nous était toujours grande. Et voilà, j'aimerais cette occasion de fête des pères, l'honorer et lui dire que je l'aime beaucoup. Alléluia! Alléluia! Je n'ai averti personne, personne ne s'est préparé. Même moi-même, je ne suis pas préparé. Tout simplement, ce qui vient, je fais. Amen. Alléluia. Donc, on a 5 chocolats. On va tirer 5 numéros, le dernier 5 tirages, pour ces 5 chocolats. Et après, on va pouvoir avancer dans notre service. Amen. Avant de tirer, on va tirer les 5 numéros. 5 numéros.
428, numéro 428. Frère Christian, oh, frère Christian, c'est la fête chez la sœur Isabelle. C'est pourquoi elle applaudissait avant tout le monde. Alléluia. Prochain numéro. 7, 9, 4, 6, 3, 4, 0, 406. Pourquoi tu joues au piano? Ça, c'est ce n'est pas. Ok. Bon. 406. Bravo, frère Brunel. Une fois. 422. Félicitations, papa. Grégory, voilà. Grégory. Deux autres numéros. 7, 9, 4, 6, 3, 4, 434. C'est un homme sage. Amen. Et
la personne qui a écrit ça s'appelle Rita, mais son père était vraiment sage. Et si nous pouvons apprendre de cette sagesse, ça va nous aider. Amen. Maintenant, regardez ceci. Pour la fête de père, il dit, elle dit, j'ai donné 100 dollars à mon père. Et je lui ai dit, achète-toi quelque chose qui te rend la vie plus facile. Alors il est sorti et a acheté un cadeau pour ma mère. Achète-toi quelque chose qui va te rendre la vie facile. Il est sorti et a acheté un cadeau pour sa femme. Il était un homme sage. Apprenez de la sagesse des anciens. Tu veux la vie facile? Voilà. C'est pas compliqué là. Ne te complique pas la vie. Est-ce que je dois la relire ou tout le monde l'a compris? Non, il faut la relire. Il faut la relire. Hein. J'ai donné 100 dollars à mon père. Je lui ai dit, achète-toi quelque chose qui te rend la vie plus facile. Alors il est sorti et a acheté un cadeau pour ma mère. Amen. Ça c'est la sagesse. Amen. Alléluia. Bon entendeur. Est-ce que tous nos papas peuvent se lever aujourd'hui? Et je vais demander à nos papas de venir en avant. Le temps dans lequel nous vivons, ce sont des temps spéciaux. S'il y a une figure qui est attaquée de nos jours, c'est cette figure de père. Je vais te demander de venir en avant d'un côté, de l'autre. On ne va pas vous demander de faire quoi que ce soit, mais on veut juste prier pour vous. Et donc, si vous pouvez venir en avant, les papas, alléluia. So, on peut les applaudir un peu. Peut se lever maintenant. Et nous allons prendre le temps de prier. Mais nous voulons le faire différemment de toutes les autres fois qu'on l'a fait. C'est ce que je me ressens de faire aujourd'hui. Je vais demander à maman Josie de venir prier pour les hommes aujourd'hui. Amen. Alléluia. On a inversé le rôle un peu aujourd'hui. Amen. Si la congrégation, si on peut lever nos voix ensemble, on va prier pour nos papas, on va prier pour les hommes aujourd'hui. En élevant nos voix tous ensemble. Seigneur Jésus, tu es bon, papa, tu es fidèle, le roi de chacun, la baïla. Dieu le Père, par excellence, Seigneur Jésus, alléluia. Nous venons devant ton trône, Père, devant nos papas, Irabayon, Dorobo, Ishakarabana, que ces sociétés essaient de rabaisser, Seigneur Jésus, alléluia. Papa, Irabacha, sur l'état de nos papas aujourd'hui, Papa, Irabayon, Dorobo, Ishakarabana. Nous plaidons ton sang précieux sur chacun des rails, de la tête jusqu'au pied. Seigneur Jésus, encourage-les, Papa, Rabayan, Darabacha. N'est-ce pas, Irabayon, Dorobo, Ishakarabana, de guider la famille, Papa, Irabacha, par ta parole, Seigneur Jésus, alléluia. Irabayon, de fortifier les papas. Spirituellement et physiquement, Seigneur Jésus. Il a baillé dans la baillot pour pouvoir pour eux, Seigneur Jésus. Pour qu'ils puissent pouvoir pour leur famille, Seigneur Jésus. Alléluia. Et la sagesse, il a baillé de chaque guider leur famille, Seigneur Jésus. Il a baillé pour le bonheur. Et la santé, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, la baillot dans la baillot pour le bonheur. Papa, protège-les, papa. Protège leurs pensées, Seigneur Jésus. Protège leur cœur. Il a baillé dans la baillot pour le bonheur. Papa, nous venons, Papa, contre toute chose qui vient contre eux, Papa, il a baillé. Nous plaidons les saints de Jésus. Nous lions toute attaque de l'ennemi contre eux, il a baillé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bénis les Seigneur Jésus. Bénis la troupe, bénis les travailleurs de l'ennemi, Seigneur.
alléluia. Donne le travail, si l'imam le travail, Seigneur Jésus. Il a baillé dans la baillot, le roi, chaque à la baillot. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Il a baillé avec la femme qui vit les papas. Prenez-moi cette semaine, Seigneur Jésus, alléluia. Il faut qu'il soit pas des papas qui font du combat pour la famille, Seigneur Jésus, le roi, chaque à la baillot. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh la baillot, la baillot. En ce temps de la fin, en ce temps de tumulte, nous sommes très reconnaissants du choix que vous avez fait de tenir et de marcher dans le voie du Seigneur, d'être dans la maison du Seigneur en ce jour-ci. Et nous voulons vous honorer aujourd'hui. Il y a des tablettes de chocolat. Si en rentrant à votre place, vous pouvez en prendre une, même si vous avez gagné un prix, ça c'est le prix général. Donc, je pense qu'il y en a assez, s'il n'y en a pas assez, on en a un peu dans le bureau. Chaque papa peut prendre un chocolat, juste c'est notre gage de reconnaissance. Voilà, papa, vous pouvez y aller. Les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Ils ont sûrement des trucs de fête de père à préparer. Et nous, on va juste tourner autour de nous, serrer la main de quelques personnes. Si c'est là et le cas, dites-leur bonne fête de père. Si ce n'est pas le cas, dites-leur bonjour. Je m'appelle Jonathan, comment vous appelez? Content de vous voir dans la maison du Seigneur. Et faites-le avec un sourire. Faites-le avec un sourire. Amen. Clairement, c'est Daniel. Vous appelez comment? Je me souviens, je l'avais vu au concert. Alléluia.
va aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui et j'espère ne pas être long. Seigneur m'a conduit dans un message particulier que j'ai partagé à l'Est et que je vais partager également ici. Si on peut se lever pour la lecture de la parole du Seigneur, c'est juste un verset. Et puis après cela, vous allez pouvoir vous asseoir. Nous allons aller dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, verset 14. Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Sinon, vous pouvez suivre à l'écran avec nous. La Bible nous dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relève? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et l'esprit abattu, qui va le relever? En d'autres termes, si je suis malade physiquement, je peux m'encourager par mon esprit. Je peux m'encourager spirituellement. Mais si mon esprit est blessé, si mon esprit va mal, comment est-ce que je vais m'en sortir?